Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la gare de La Rochelle et je retrouve Michel Cagnot, monsieur rail de C17. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, on avait parlé d'une pétition concernant une desserte ferroviaire. Qu'en est-il de cette pétition ? Alors oui, c'était pour le train-tram ou le train léger, on va dire, entre Marans, La Rochelle, Rochefort et Tonnet-Charentes. Eh bien, 15 jours après, on en est à 181 signatures. Alors je dis bravo et merci aux courageux qui ont signé cette pétition. Alors je dis pourquoi courageux ? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se méfient, qui ont peur de la pétition. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir si c'était quelque chose de mal, une pétition, et c'est une plainte ou une demande. Donc ce n'est pas une plainte dans le cas précis, c'est une demande. Une demande que, justement à formuler par les citoyens. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, 181 signatures, on a à la fin de l'année, enfin il faudra un an pour avoir à peu près l'équivalent de la population de Marans, c'est-à-dire pour avoir 4500, 5000 personnes. Alors que je rappelle que sur le sujet, il y a eu plus de 30 000 vues. Donc il y a un hiatus. Et aussi, 181, c'est peu par rapport au bassin de population que ça représente, c'est-à-dire 160 000 à 270 000 personnes. Donc on devrait, aller pour que ça soit vraiment un succès, on devrait avoir 30 000 signatures. Voilà. Alors, ce que je continue maintenant, il y a une petite équipe autour de moi qui travaille, on travaille vraiment sur ce projet sérieusement. Nous rencontrons des élus, et là j'en ai déjà donc rencontré, il y en a d'autres, mais une chose qui m'interpelle, je me dis, souvent on tape sur les élus ci, les élus ça, ils font pas ci, ils font pas ça. Mais je dis, ils ont besoin du peuple pour les soutenir, surtout dans un projet comme ça, où on va avoir des bâtons dans les roues, on va avoir une technostructure qui va nous dire c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas possible. Donc les élus, ils ont besoin d'être aidés pour décider, et c'est pour ça que j'enjoins tous ceux qui nous regardent, tout ça, alors ceux qui ont déjà signé, de diffuser encore plus largement, et puis les autres, bah, de se lancer dedans. Encore une fois, signer une pétition, c'est pas grave, hein, je veux dire, la peine de mort a été abolie en France, donc vous ne risquez rien, hein, alors vous pouvez signer dès demain un projet dans lequel vous vous reconnaissez. Et une précision à propos du projet, puisque j'ai eu une petite critique là-dessus, parce que la première étape, je rappelle, avant le train-tram, c'est la navette Marans-La Rochelle, en 15 minutes, qui peut être mise d'ici en service d'ici 2 ans. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, non, mais ça doit aller au-delà de Marans. » Oui, bien sûr, ça doit aller au-delà de Marans. Mais pourquoi ? On sait très bien qu'aller au-delà de Marans, ça va prendre plus de temps parce qu'il s'agit d'une autre région. Et que donc, pourquoi ne pas faire profiter les Marandais et le Sud-Vendais, dans un premier temps, de cette navette, hein, on pourrait aller, le maire de Marans que j'ai rencontré voudrait 13 allers-retours par jour, on pourrait arriver même à 19, contre 4 que proposerait la SNCF dans la cadre remise au TER, et puis en plus cette remise en marche d'un véritable service TER que nous considérons être une phase 2 et que nous soutenons, eh bien il faudrait compter à peu près 5 ans, hein, donc voilà, pour le faire. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est cette navette en moins de 2 ans, hein, et en moins de 15 minutes pour arriver à La Rochelle, hein, depuis Marans. Et voilà, et donc signer, n'ayez pas peur, signer une pétition, ça ne signifie pas la peine de mort. Hein. Donc signer, et justement, encore une fois, que ça corresponde. Souvent on dit, le peuple, on ne lui demande pas son avis, ben là on vous demande votre avis, c'est signer pour quelque chose et pour une fois pas contre quelque chose. Donc allez-y, c'est tellement plus agréable de signer pour quelque chose, pour un projet, plutôt que contre. Voilà. Donc c'était mon appel. Et donc rendez-vous la prochaine fois. Et j'espère que la prochaine fois, je pourrai annoncer 500 signatures. Voilà. Merci. Merci Michel. Et puis on attend les 500 signatures. Et puis la belle logique de Michel Cagnot. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Et merci à C17 de se faire le porte-parole, enfin l'aide à ce projet qui, je pense, sera réalité si tout le monde s'y met. Si tout le monde rame dans le même sens, nous y arriverons. Allez, c'est parti.